Ouais les gars, c'est Romano, on se retrouve pour mon épisode numéro 4 sur Alone in the Dark. Je venais de lancer là en stream, mais j'ai eu un tout petit souci, j'avais mal configuré le truc, du coup je relance. J'avais même pas avancé, j'avais même pas fait une minute, de toute façon je m'en suis rendu compte direct. Bon, la dernière fois dans l'épisode numéro 3, on avait galéré, on est toujours en live sur Twitch, toujours en vidéo sur YouTube. J'espère qu'on va moins galérer dans cet épisode que la fois d'avant. Allez, c'est parti. Donc ça, on ramasse. Là, il y en a qui va sortir à droite, on connaît. Mais il meurt jamais? Ouais, mais c'est trop, frère! Waouh, j'aurais su, je l'aurais allumé, putain, dégoûte! Ah, ça va, boisson, ok. Putain, la vie qu'il avait, quoi! Ici, on est arrivé, il va y avoir une énigme ici. Est-ce qu'on l'avait pas déjà? On en a déjà, juste. Il nous faut les trois autres. Ici c'est fermé. Des balles. C'est vraiment fermé ici? Ouais, c'est fermé. Je savais qu'il y avait un chemin, on l'avait pris la dernière fois déjà. Je vais à d'où moi? Moi je vais de là, donc c'est ici le chemin. Il y a nice une boisson là-bas. On va l'écho, on va voir si on en a besoin après. Ici, il va avoir des ennemis. On était déjà mort une fois dans l'épisode numéro 3 ici, donc je me souviens vaguement. Il y en avait un quelque part ici, je sais plus où. Il est là devant. Ah ouais, il est là. Non, c'est trop. La vie de ma mère, c'est trop. C'est abusé le nombre de balles, vraiment. Bon bah du coup on va prendre la potion, enfin la boisson. Ah oui, il y a encore lui là-haut. Est-ce que je peux lui lancer d'ici dans le front? Nice. Ok, bon, on a du soin s'il y a un problème. On va attendre, je pense. Nice. Ouais, quand je vois toutes les boissons qu'il me donne, c'est que ça va être chaud. Enfin, j'imagine. Là, on va essayer de lui lancer ça dans la gueule pour économiser une balle. Ils sont juste deux. Oh, mais gros. Oh oui. Y a l'autre dans mon dos, non? Mais putain! Allez, crève. Ok, bon, je crois qu'avec eux... Des balles, parfait. T'as des balles de shotgun, j'en ai que deux, ça m'arrange pas. Non, j'ai bu, j'ai pas fait exprès, Romano.
hein, je suppose qu'on doit aller ici. Où ça pue ça? Une arme, on va prendre. Hop, une pelle. Je vois pas d'ennemis. J'en entends par contre, non? Bon, tant pis pour ça. Waouh, ça me dirait de bon de descendre là. Ah, il y a le truc qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Ok, parfait. Deux. Il nous en manque plus qu'un. Et on est bon. Ah, évidemment, ça. Ça, tu vois, je m'en doutais, mais. Ah, fils de pute, il m'a fait peur. Oh, mais il me fait rarer, lui. C'est une blague, la hitbox? C'est une grosse blague? Gros. Ok. Il n'y avait pas une autre arme du coup? Si. Ah ouais, ma lampe de poche, j'ai tendance à l'oublier. Ok, des balles, parfait. On a tout écho, on va les recharger. C'est déjà fait. Merveilleux. Je suis full, ça c'est con ça. Oh non. C'est quoi ce genre de boss lui? Frérot. Allez, va te faire foutre. Toi. Tape! Tape! Mais tape! Voilà! Allez, brise-le! Voilà! Bon, nous on venait de là d'où ils sont sortis, non? Je sais plus d'où on venait. Là, c'est où on a été. Si on vient d'aller. Ouais, là, on n'a pas encore été. Si, c'est d'où on vient. Ouais, c'est d'où on vient, ok. C'est juste que les portes elles se referment et ça me perturbe. Nous on a été à gauche, ouais, là on est descendu. Et du coup on n'est pas encore allé. Là il y a un passage? Ouais, il y a un passage. Ah.
Je sais même pas s'il me voit ou pas ce bazar-là. J'ai pas d'armes! Mais gros. Ah mais moi aussi je suis trop con la vérité. Allez hop. Allez nique ta mère, c'est bon. Crucifix abandonné. Okay, on prend. Hop, on boit. Parfois on a tout plein de boissons, ça veut dire qu'on est dans une zone à mon avis un peu galère. On a un crucifix pour les taper. On a le gun et on a le pompe, on est bien. Ok, encore un. Là on n'est pas encore allé, je pense. Non, on n'est pas encore allé. Ah. Ok. Attends, on est venu ici ou pas? Je sais plus. Bah ouais, en fait, ça donne. Ok, c'est. Quand tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre. Ça revient au même. Ok. Donc, moi, le seul endroit où je suis pas encore allé, c'est là. Ou alors c'est d'où je viens et je me suis encore trompé de côté. Ouais, c'est d'où je viens, je me suis encore trompé de côté, c'est là. Ah, j'ai un doute maintenant. Ouais, ici on n'est pas venu. Ah, agréable ça. Ah, ça a l'air sympa ici. Ah, c'est ici que je dois les mettre, les deux trucs que j'ai déjà? Ah bah ouais. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Quoi, dans le cul de l'oiseau comme ça? Non. Non, s'il vous plaît, pas ce genre d'énigme qui va me saouler, non. Oh oui. Ah. Et du coup, je les récupère les médaillons pour au-dessus, ouais, je pense. Oh, c'est agréable ici. Hein. Mais gros! Attends, mais dis pas que ma vie, elle s'est... Frère. Oh le médaillon. Mon Horcrux. Oui. Here we go. Genre je vais pouvoir remonter sans problème gentiment.
Y aura pas des nouveaux monstres? Ah oh oui, je retombe ici en plus. C'est beau. Et là, du coup, c'est où? Ici. Hop. Et là, il faut faire en sorte que les trois trucs correspondent. Non. Comment on doit faire? Mon avis, c'est plutôt comme ça. Ça, c'est comme ça. Non. Hop, et ça. Non, il y a un problème. Oui. Ok, on est bon. Oh. Emily, is that you? Jeremy. What are you doing here? But you sounded so miserable in your letter. I've come to take you away from here. I can't believe I made such a foolish mistake. All I wanted was for you to stay away. What do you mean? I bargained with the Dark Man. Wow. A pact to keep Norland safe with my own life as tribute. The Dark Man isn't real, Jeremy. There is nothing he can do to hurt you. How do you think any of this is happening? How do you still not trust my words? Fine. Then let me help. Don't be foolish. He will bury you next to me in his sunken temple for an eternity. I don't care. I'll find a way. I have my own talisman, and I know about Tarawea. Oh, wait, don't speak. Who's in here? Show yourself. You know who, Emily. He took your grandfather. No, I mean it. Who's in here? I can feel someone's in here. Oh, wow. Emily! Tarawea. Why do you want to go there, Jeremy? I've seen so many strange occurrences. Clé de bagage. I need to find out more about Jeremy. Déverrouiller la malle de voyage de Jérémy. I meant to go to Tarawea. Maybe there is something there that would help. She was beautiful. I wonder what happened to her. The Astarte artist colony. I'm pretty sure they had a Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain when I was. Ça va, frère, et toi? Bon. Attends, c'est quoi l'objectif? Déverrouiller la malle de voyage de Jérémy. Ah bah c'est dans la chambre de Jérémy. Et elle est la chambre de Jérémy, elle est juste là au fond du couloir. C'est
C'est la première ici à gauche, je crois, non? Attends. Non, ça, je me trompe. C'est celle-là. Ouais, c'est ici. Et c'est ça, je pense. Hop, parfait. Lentille de Barlow. Ouais. Une lentille pour être fixée sur les télescopes. Ok, parfait, je dois aller au salon. Utilisez le télescope du salon pour chercher des réponses parmi les étoiles. Faut juste que je me rappelle où il est le salon dans tout le manoir. Et ça va le faire. Ok, on va y aller par là-bas, je vais finir par le retrouver. On va essayer de se rappeler plus ou moins. Non, c'est pas là, c'est ici. Je pense que c'est vers ici, non? Non, c'est pas là, c'est là peut-être? Non. Non, non, vite, 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 vite. Il est où ce putain de salon, j'ai oublié. Bah, salon, j'y suis en fait. Ah non. Il y a un autre salon. Ah non, j'y suis pas, je suis à la réception en bas. Ok, je suis loin du compte en fait. Ah non, ici il y avait rien. Oh, les portes elles me font chier. Le salon ici. Non, j'ai pas de clé là. Ici c'est quoi? C'est l'extérieur ici. Il est pas là le salon. Il est en haut alors. Je dois prendre par par où il y a les escaliers et tout qui s'était tombé là. Salon de séjour. Ok, je dois aller. Putain, je sais plus où il est et j'arrive pas à me repérer sur leur carte de merde. Une salle de bal, hein, non? Sont en train de me faire chier correctement. Salon. Par où est-ce que je vais? Tout droit en fait, je dois aller. Ah ouais, bah ouais, j'étais du mauvais côté du manoir. Ici, à droite. Ah ouais, il est là, ici à gauche au fond. On va y arriver. Et il est là, ici à droite à la fenêtre. Parfait. Magnifique. Va avoir un truc qui va me sauter à la gueule, c'est sûr, non? Régler le zoom et la mise au point. Dois faire quoi exactement? Je crois que j'avais un indice pour ça. Utiliser les télescopes du salon pour rechercher des réponses parmi les étoiles. Ok. Il y avait un truc par rapport au télescope, je sais plus c'est où. Ça. Installez simplement cette lentille sur votre instrument. Recherchez simplement la position dans laquelle votre image paraît nette. Et plane.
Parce que l'écran actuellement réglé, votre télescope devrait présenter une image nette avec un magnifique grossissement. Ok. Et je dois pas trouver un truc spécial avec ça? Si c'est ça, je pense. J'en sais rien en fait. Je comprends pas. Je comprends rien. Ah. Je réussis. Trouver les coordonnées du talisman correspondant à Taruella. Bonne nuit, Maurizio, bonne nuit, mon frérot. Oh non, pas puzzle, non, non, non. Oh si, je crois bien que c'est ça. Hein. En gros. Bah c'est le fameux truc que j'ai dans... C'est le fameux truc que j'ai dans mes AD, je crois. C'est ça que je dois faire. Non? J'en sais rien. Il faut que ça fasse ça, ça va là.
Ça va là. Ça irait bien là. On y est presque. Ça va là. Il y a un problème. Il est où le problème? Il est là. Ça et ça juste? Voilà. 947. 941, je sais pas. Oh non! Oh, ça se met tout seul, oui. Neuf cent quarante-sept ou 941? Was this dream Le talisman a montré que farewell la porte without s'ouvrira dans la salle à manger. a place for rest and comfort? Ok. Y a de ces bugs là. Je me suis perdu. Ah, quoique. Ah, bah, c'est la fameuse pièce que ça me montrait avec le pot de fleurs. Non? Oui, non? Ouais, voilà la cheminée. Et c'est là la fameuse pièce. Chapitre 3. How do you know my name? Have we met? In a manner of speaking. As a manifestation of Yermi's deepest desires, I am to you unfamiliar. Wow. Yet I know of you. Are you Jeremy? Is that what you're saying? I am only his subconscious thoughts. I cannot speak for his totality. How come you have a Spanish accent? And what is this place? Is this Tarawea? This is indeed the fabled convent of Tarawea, where Yermi goes to find peace during his sessions with Dr. Gray. It's all fantasy then? Based on the things he has read and seen. And that includes you? Yes. My name is Juan Luis Jorge. Yermi once read a book of mine. It stuck with him. Can you help me break the pact with the Dark Man so we can leave Dorseto? Yermi doesn't want you to. He wants to honor his word to the Dark Man. Why? What's the point? I don't understand what the pact is for. The people of Dorseto are calling upon evil to enter this world. Your uncle offered his soul to the Dark Man to contain this disaster. What? No, that doesn't make any sense. The pact will be fulfilled at dawn. As the sun rises, Yermi will forever be entombed in his sunken desert temple. As promised, the Dark Man shall quarantine and starve the evil inside Dorseto. What about all the patients and the staff? They will not stand the chance. That's unacceptable. How could Jeremy agree to this? Desperation, of course. Jeremy did not choose martyrdom lightly. Well, nothing is lost yet. I'm sure I can find a way to break the pact and save Jeremy. And hopefully the people at Dorseto. What even is this evil you're talking about? I don't know much. I think some nightmarish entity from the bayou. I'll just have to deal with that later. First, I have to get Jeremy out of his deal. What? Did you run out of arguments? You're actually quite inspiring, Miss Emily. If we put Jeremy's feelings aside, I would have to say I agree with you. Really? You might just be able to save the old man from himself. I think you should take a look in the convent library. Try to find the truth about Jeremy's relationship with the Dark Man. Okay. You should know that you won't be alone in those grand halls. The Dark Man has been reading those books for years. He's here? You'll have to be very careful. Of course. I can be careful. Good.
good luck, Miss Emily. Wow. Ok. Je peux lui parler? What is the dark man, do you know? The black sun. The stalker among the stars. The crawling chaos. Ok, c'est bon. No. Bon. C'est un peu plus beau, plus joli, un peu plus lumineux pour une fois. Aïe aïe. Ah bah c'est ici la fameuse bibliothèque. Ok. Ouh là là. J'aime pas du tout cet endroit. Mais alors là, pas du tout. Oh oui. J'aime encore moins. Bouger lui? Non. Wow. Il manque quelque chose. Ah, j'ai rien. Oh waouh. Merde, non, je voulais pas fermer. Je vais répondre à la bibliothèque, oui. Ok, c'est ça que je voulais. La clé de la pièce sera confiée au bibliothécaire. Ok. Je suis sûr qu'il va y avoir un truc avec eux, ils vont se réveiller ou une couille du genre. Oh lui il a un truc dans la main. C'est ça qu'il me faut. C'était sûr. Oh bah oui c'était sûr. My bad. Je vais pas lui tirer dessus. Ah si je lui tire dessus c'est comme si on se tuait nous-mêmes quoi. Ok vas-y refais-moi ton bordel. Ah, mes oreilles.
Oh fils de pute, non! Il chie, hein! Mais putain, dégage! Mais gros! Si je redescends et qu'il est en bas, je pète un câble. Ouais, je dois obligatoirement aller... En fait, il me pousse à aller vers un endroit. Il va arriver par là. Je vais pas sauter. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il arrive à chaque fois. Je suis baisé. Bon, je peux pas lui tirer dessus, je vais faire quoi? Ils sont marrants eux. Mais gros. Obligé va me poursuivre ici, non? J'ai aucune idée d'où je vais, ni de ce que je fais là. Ah, je suis bien là. Ah, GG ça. Ah oui, nice. Bon, on est mort, hein. Ah. Ils disent quoi dans les objectifs? Trouve un moyen de pénétrer dans la pièce. De pénétrer dans la pièce, dans la cage. Dans la pièce, dans la cage. C'est là que je dois aller. Je crois que j'ai pas du tout été au bon endroit. Hein. Bon, ah si, je dois mettre ça là. Nice. Non! Il est où? Je dois faire quoi? Je suis mort. Gros? Je fais comment? L'échelle, le truc pour moi. Rien? Si, l'échelle. Ok, il m'a pas vu.
Waouh. C'est bon, tu me laisses respirer. Tu m'as détruit les oreilles, la musique. Ils veulent que j'aille dans ça, non? Il n'y a pas encore un moyen de faire descendre ce truc là. Ah non, ici simplement. Voilà. Ah. C'était galère. Pas c'était. It was in the hot autumn that I went to the restless crowds. He was a kind of itinerant showman who held forth in public halls and aroused widespread fear. The New Orleans address of the event is lost, but I remember distinctly the Prext Shipping Company pressing their contribution. Emily! Found what you were looking for, Emily. I fear there is no going back. He's in my head, Juan. His breath replacing mine. You should not have come, Emily. Isn't my new best friend. Come, join me for some giggle water. Ruth? Oh, Miss Hartwood. Don't tell me you've been out swinging without me. Ruth, what is this place? Where are we? Have you never been to the Maccabean before? Goodness me. Tell me, Miss Hartwood. Have you ever considered going out for an evening? Are we in New Orleans? Oh, who can tell anymore? I just went inside the Grand Parlor and suddenly here I am. The Grand Parlor? Can I get back to Dorsetto from here? Are you sure you want to? We could stay here and drink the night away. How about a gin fizz? If this is New Orleans, maybe I should go further. Find that magic show the book was talking about. But there was no address, just Prague's Shipping Company. Oh, is this about where Jeremy met the dark man? How do you know about that? Jeremy talked a lot about the dark man. I always felt a bit envious. How so? If an all-powerful entity showed me any interest, I'd at least hear him out. I'm sure he has plenty to offer. I don't think you'd want that, Ruth. We're too sweet for such darkness. Oh, please. What kind of blue nose do you take me for? I relish the darkness. I think it suits me. You don't happen to know how to find the Prague's Shipping Company, do you? Of course. Their office is just over there. Oh. Whoa, what happened? You just got lucky. A bientôt, Mademoiselle Emily. Hey, do you know where my uncle is? No. But I bet you're close. Elle va disparaître dans le brouillard. Chercher
Ok, livre d'allumettes, ouais. This. Autumn that I went through. Ouais. L'adresse, ok. Chercher l'adresse, ok, le spectacle, elle, elle a disparu. According to the book in the Great Library, they assisted a showman somewhere in New Orleans. It's somehow connected to Jeremy's introduction to the Dark Man. I'm sure I can find the address inside. Ok. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, c'était vraiment pas mal. On a bien bien avancé. J'ai vraiment kiffé. Est-ce que je peux sauvegarder? Ouais, on va sauvegarder. J'ai vraiment vraiment kiffé. J'espère que vous aussi, on a bien avancé, on n'a pas galéré aujourd'hui, c'était bien. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt pour l'épisode numéro 5, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube. Et vas-y, à très bientôt les gars, ciao ciao.